D'abord payer le mépris, le manque de respect de notre continent, de notre continent. J'ai appris les deux mots français là hier. Vous parlez seulement la langue des blancs, ici on est en Afrique. Allez, débrouillez-vous, sinon on reste là jusqu'au matin. C'est mardi que tu démarres. Je vais t'aider à creuser. J'ai
Changement de continent. Vraiment. Je creuse. Creuse. Non. Il n'a qu'à creuser. Ils sont tous bien habillés. Ils sont beaux, ils sont, elles sont belles. Mais ça ne se passe pas comme ça. Fermez-moi le trou. Dans le trou. L'apprendre, je voudrais vous présenter ces quelques. Bien. Il y a donc ici un paille. Une liqueur et une somme de 20 000 francs pour payer la parole que vous avez bien voulu me passer. Merci. J'accepte. Je vous souhaite la bienvenue ici chez nous. Je vous souhaite la bienvenue à Zabilog. Ici, vous êtes dans une portion de Zabilog. Il y a des gens pour qui l'appellent, qui disent parfois Zabilog, c'est Zabilog. Je n'ai toujours pas eu d'identité, ni le motif de la visite. Merci. Merci de passer la parole. Et je voudrais effectivement m'acquitter d'un devoir, celui de me présenter. Nous sommes heureux d'être donc dans le village d'Azabilol. Mais nous sommes qui? Nous sommes la famille Badinga Mwanda. Nous revenons de Mahonga. Mahonga est un village qui se trouve dans la province de la Nyanga, dans le département de Bongo et dans la commune de Moulengbita. Voilà qui nous sommes et voilà d'où nous venons. Pour la suite, je suis à l'écoute de vos sollicitations. Merci. Effectivement, il faut que je tombe. Effectivement, il faut que je tombe sans glisser, sinon je ne pourrais plus me relever. Et comme je suis là pour rester debout, je tâcherai de glisser sans tomber. Je suis là parce que, comme je disais tout à l'heure, un membre de ma famille, lorsqu'il est passé pour la première fois à Zabilon, son cœur a battu pour quelqu'un. Et cette personne-là, c'est maman. Je dis bien maman. C'est maman. Mais avant que de prononcer ce nom-là, qui est très lourd pour nous et qui nous est très cher, je voudrais déposer ce billet-là qui doit accompagner la prononciation de ce nom-là, à savoir maman Ntsam Obian Evelyne. C'est elle qui nous amène ici. Je vous remercie. Qui va? Mais nous donnons un exemple, je veux comprendre de mieux en mieux. Oui, Badinga dépose beaucoup d'argent depuis quelque temps. Il m'a écrit, il a dit, les Texans sont là, vive les pétrodollars. Va
voir son but. Et après, maintenant, je pourrais te dire que la VAR, hein, ce qu'on fait comme ça, je vais regarder, je dis c'est bon ou c'est pas bon. Le VAR au but, et puis on va essayer de voir non plus. Puis là, je suis parti de Mahonga pour ici. J'ai le supervis dès l'entrée de nos débats de participer à faire en sorte qu'il y ait un traducteur. Mais en fait, je vais payer le répétiteur pour que vraiment, au lieu qu'on se contente d'un traducteur, mais c'est un répétiteur pour que dans le long terme, cela soit terrain. Donc je suis venu à Moui pour épouser maman Eveline Samoobian. Diomnao! Qui est? Je ne suis pas allé bègue. Je n'ai pas entendu bègue. Maintenant, je vais commencer à bégayer ici à cause de toi. Oui, tu es obligé. Je ne peux pas. Je ne suis pas obligé de bégayer là. Non. Je crois que... si c'était à mon niveau, hein, je ne peux pas te laisser voir les meilleurs pour le mariage. Comme ça là. Tu as vu à côté de moi, il y a un conseiller juridique très puissant. Même de fois, même quand il me conseille, je disais, ah, le conseiller aussi, c'est trop fort. J'ai déjà parlé avec le conseiller qui a parlé avec quelqu'un qui est encore à côté de lui. C'est pour ça que je ne me suis pas levé depuis là pour aller dire qu'on fait comment là. Le conseiller, il est encore plus dur que moi. Lui aussi. Il fait qu'on dit qu'il tombe la chose, qu'il aille droit au but. Maintenant, tu as dit que tu veux, tu es venu marier ou épouser Eveline. Je crois que je vais voir conseiller, parce que faire là, c'est fort pour moi. Moi, je te dis, hein, si c'était que moi, non. Mais peut-être qu'il y a des gens qui sont plus souples que moi maintenant, là, que j'ai entendu ces mots-là. Certains vont dire que je suis dur. Mais quand je vais expliquer, ils comprendront pourquoi c'est moi qui suis dur. C'est vrai, des fois aussi, quand elles partent, on pleure. Mais celui qui avait vu Eveline la première fois à Zabinon là, je crois qu'il ne t'a pas bien dit les choses. Il ne t'a pas dit qui est Eveline pour moi. Ou bien qui je suis pour Eveline. Parce que là, on va corriger. On va aller voir la VAR. Pas avoir de quelqu'un qui ne donne pas, non, la vidéo, pour voir si on peut, et si on peut valider. Mais si ce n'était que moi, je ne peux pas valider, oh, Amoui Badinga. Je t'expliquerai. Mais regarde le pantalon que j'ai ici sur moi, retiens le pantalon que j'ai ici sur moi aujourd'hui. Sur un an, ça deuxième fois que je le porte. Donc, Amoui, je disais que mon fils est venu faire pratiquement rapter ta sœur, il l'a amené. Le temps qu'ils ont passé, j'ai réglé ça. Maintenant, je viens me présenter à toi pour faire les choses normalement. Et comme je ne voudrais pas que tu aies des secousses, je continue à procéder par étapes. Je me présente et je veux fiancer ta sœur, maman Eveline. Je veux la fiancer. 2 liqueurs. 5 litres d'huile d'arachide et 1, 2, 3, 4, 5 pailles. Il y avait une corbeille là. C'est là haut. Il faut me ramener ça, mon général. Merci, mon général. On va arriver au million, mon général. Voilà cette corbeille là. Avec votre permission, pour me présenter, changer le statut de Béline et moi, transformer bon ami en fiancé, je voudrais déposer dans ta corbeille la somme de 450 000 francs. Permettez-moi de les compter. Ok, je viens attraper. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45. Voilà, Amoui, ce que j'apporte pour faire changer le statut à ta sœur. Mais... Oui, Badina, je ne refuse pas. Tout ce que tu déposes là, je prends. Mais la poche. Même si la poche m'a devenu petite, je prends. Oui, tu me donnes, je garde. Je vais aller expliquer à Evelyne qu'il y a des gens là-bas dehors. Papa, tu me perds. Voilà. Si les gars ne viennent pas, ça là, ça reste en manque. Maintenant, si elle vient, ça pourra continuer. Mais moi, je te parle avec le cœur. Tout ce que tu déposes là, c'est déjà rentré. Ça ne ressort plus. Je ne vomis pas. Bon, tu sais que je ne vomis pas. Je crois que tu as fait un travail avec des gens de certains de chez moi là. Continue. Mais je préfère prendre les dispositions. La porte que je viens d'ouvrir là, en me présentant comme dorénavant le fiancé d'Evelyne, je veux quand même fermer ça pour que personne d'autre ne puisse rentrer là. Donc j'ai fiancé, je vais fermer la porte comme pour dire bien rompre les fiançailles pour qu'on passe à un autre statut. Parce qu'on ne va pas rester au statut de fiancé. Dieu voilà 50 000 francs moi, pour rompre les fiançailles et fermer la porte. L'impression que j'ai fermé ma porte sans la cadenasser. Et je garde la clé moi-même. Donc je viens, la porte que je viens de fermer là, en fait je n'ai fait que la rabattre, maintenant je cadenasse. Voilà, j'aurais pu mettre une liqueur à moi, mais la liqueur que je voulais là, j'ai eu du mal à trouver ça. Donc vraiment à moi, permets-moi de la remplacer par un billet. On n'est pas encore au dollar. Oh. Voilà. Le paille est. Dieu mène nous. Comme tu n'as pas su que j'avais rapté ta soeur, mais le temps qu'on a passé là-bas à moi, elle est partie seule. Elles sont revenues nombreuses à moi. Ta famille s'est agrandie. Et c'est pour cela que je voulais te demander à moi de m'accorder que. Je reconnais tout ce petit monde-là qui est revenu avec maman Evelyne qui est partie seule, qui est revenue avec un beau petit monde. C'est ce petit monde-là que je voulais reconnaître. Hein. Il y a eu donc trois filles et un garçon à moi. Il y a eu trois filles, soit il y a. Ah, il y a. Voilà, comme c'est venu. Il y a trois filles à moi, un garçon. Les trois filles là, moi, je me suis un peu renseigné dans les environs là. On m'a dit chez nous à Zabilon, voilà comment on fait. Et comme je suis devenu un homme d'Azabilon, même si c'est pas encore conclu, je considère que je dois faire comme Azabilon. Donc, à moi, pour nos trois filles, il y a 90 000 francs. Et pour notre garçon, Amoui, il y a 25 000, soit 105 000. Maintenant, voici ce qui accompagne les enfants. Donc, il y a une liqueur. Deux liqueurs. Un pain, trois liqueurs, deux pains, trois pains, et quatre pains, et quatre liqueurs hein, pour ce qui nous permet, toi et moi, maintenant, d'avoir les femmes de Mawonga et les Lumbu d'Azabilon. Dieu mène nous. Je vais les conseiller chez toi. Tes conseillers n'ont pas dit que chez les parents de Benin, là, il y a un là qui aime le Jack Daniels. Même moi, je ne touche pas l'alcool. Mais j'ai vu un film où on parle de Jack Daniels. J'aime ce whisky-là, même si je ne bois même pas le pot. Rien que le regarder, j'aime. La belle scène, j'ai déjà vu ça peut-être trois fois. Il n'y a pas de Jack Daniels là-bas. Il n'y a rien. C'est la boisson de la dernière, pas rien. Oh, si je ne veux pas acheter. C'est juste pour que tu saches
que c'est toi et moi qui les avons faits. Faut qu'on se demande pas. C'est juste pour reconnaître que ça là, comme je disais tout à l'heure, ce sont les Balumbu, les Abilo ou alors les femmes de Mahonga. La nuit, on mange le tout en Guinée équatoriale. Long, ça ne sert à rien. Amenez-moi les choses. I'm gonna go to the hospital.
Your way,
Ou bien Subita et la famille Badinga. Vos ovations encore, s'il vous plaît. Puisque sur le plateau de joie, nous avons commencé par l'étape de la barrière qui met au centre les us et coutumes de notre tradition bantou. Et maintenant, nous sommes au centre de la dot. Ça veut dire que les pourparlers vont continuer et nous allons passer la parole aux deux orateurs. Ça va, c'est un peu ramolli. J'ai commencé à perdre un peu le français, j'ai failli l'enchaîner avec ma langue. Oui, Badinga. Bien, Béo. On t'écoute. Merci, Imoui. Vous voyez, ces choses-là, même la nature s'en mêle. C'est des signaux forts. Et on est tous des bantous. Mais on sait ce que ça signifie quand il y a des manifestations comme ça. Ça me donne même davantage de force pour avancer et aller même au-delà de ce qu'on a prévu. Amoué, je t'ai dit que je suis venu pas t'arracher, non. Pas te prendre ta soeur pour toujours, non. J'ai dit que je suis venu l'épouser. Et quand on épouse, c'est l'union de deux familles. Donc ton cœur là, ta soeur, tu la verras toujours. C'est pas un problème. Donc Amoué, on a traversé toutes ces étapes-là pour venir maintenant à ce que tu disais. Hein? Que droit au but. On menait au stade du droit au but là. Parce que là, le pied là, il s'est beaucoup entraîné. Après, je suis sûr que là, je crois qu'on n'ira plus à la barre puisque ça va rentrer sans faute. Donc, Amoué, pour cette ultime étape-là, j'ai apporté des présents, de l'argent. Et on va essayer d'énumérer ça, si vous me permettez. Il y a donc, où sont les enfants là? Il y a donc, pour les présents, il y a deux machettes. Voilà. Deux haches. Voilà. Deux couteaux. Il faut seulement montrer, vous remettez en place. Voilà. Voilà. Deux couteaux de chasse. Deux limes. Voilà. Deux grandes marmites. Voilà. Deux lampes tempêtes. Il faut les sortir. On donne ça ici parce qu'il y a une particularité. Voilà, deux lampes tempête luciole avec le pétrole, il faut sortir le pétrole. Pose là-bas la tête. Voilà. Voilà. Chaque lampe a son bidon de pétrole. Non, de Libreville. Deux pipes. Deux pipes. Deux têtes de tabac.
deux grosses cuvettes d'aluminium sont les têtes de tabac. Il faut ouvrir, papa. Voilà. Deux cuvettes d'aluminium, avancé, il n'y a plus la pluie. La pluie a fini de nous bénir, maintenant vous pouvez sortir les choses. Deux seaux en fer. Deux lots de mèches pour lampe tempête. Voilà. Une des broussailleuses marque Steel. Un congélateur moyen. Ça, c'est les accessoires. Là. Maintenant, pour les habits, là, il y a 60 pagnes. Combien de pagnes? 60 pagnes, il faut compter. Un pain de 200, mon bois. Oui. Mais mon bois, c'est notre marché. Si on va ravitailler les autres commerçants, c'est pas bon pour l'économie du pays. 60 pailles. Hein? Ouais. Oui, Madiga. Oui, hein? On t'enlève une épine du pied. Le conseil a dit de ne pas compter. Comme ça, ah oui, comme on énumère seulement. Comme c'est ça, ok. Donc 60 pannes, 60 foulards, 2 couettes, 2 moustiquaires. Un plaid pour papa et maman. Pour papa et maman, il y a deux housses équipées avec tout dedans. Voilà. Deux moustiquaires. Deux moustiquaires. Voilà. La tenue de maman aussi, c'est dans la housse. Voilà. Oui, ah, on ne voulait pas faire des erreurs pour montrer les choses de papa comme ça. Bon, maintenant que vous nous autorisez. Sinon, c'est là. C'est quand même la surprise de papa. Pas que tout le monde voit ça. Ok. Il y a donc, pour ce qui est de papa, il y a un costume, une cravate, une chemise, une ceinture, un tricot, une chaussette, une paire de chaussures et un chapeau. Pour maman, il y a un ensemble d'âmes, une paire de chaussures, pointure 40, un chapeau, des bijoux et un sac à main. Et le chapeau foulard. Voilà. Pour couvrir la tête de maman, c'est devenu une tête précieuse. Voilà. Il y a donc, pour ce qui est de boisson, deux cartons de vin en briques. Je ne vois pas. On va montrer, mon général, ne vous inquiétez pas. Voilà. Ok. Voilà. Et deux cartons de vin cachetés. C'est la boisson de ce mandinier. Deux cartons de vin cachetés. Combien la trappe ah. Faut ouvrir, ça par contre, faut ouvrir. Mon général a raison. Il y en a deux. L'autre, c'est celle qui a mis la bière, là. Tu as sorti seulement une bouteille. Ouais, voilà, juste une bouteille pour l'échantillon. Voilà. Merci, mon général. Ok. C'est comment? Tu as mal aux mains. Il y a quoi là-bas? Il y a quoi même là-bas? Voilà. Deux cartons de vin cacheté, yeah. Deux cartons de vin mousseux. Ok, jazz. Sors juste une bouteille, comme d'autres affaires. C'est mouillé, ne soulève pas, je vois. Voilà. Deux damejeanne de vin rouge de 10 litres. Papa, bien, le bois, okay. Pas le vin rouge. Oh. Deux palettes de Gino pamplemousse, deux palettes de Gino citron, deux palettes de Gino ananas, ouais. Deux palettes de Gino Sprite, deux palettes d'Orangina, deux palettes de Coca-Cola, deux palettes de Fanta. Pour ce qui est de bière, il y a deux palettes de Castel, deux palettes de 33, deux palettes de Beaufort, deux palettes de Guinness, deux palettes de Royal Dutch et deux palettes de Regab. Pour ce qui est des liqueurs, il y a deux rhums Saint James, ça il faut soulever juste pour montrer. Ça, c'est Saint James.
Tata ne connaît rien. Oh. Les gens de Mawonga, vous ne connaissez pas Saint-James? Je te dis. Maman! Non, Zabi, non, on connaît Saint-James. On connaît. Oh, Maman! Voilà. 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 De Rome Saint-James. De Rome Saint-James, ouais. C'est pas Jack Daniel. Non, c'est Saint-James. Jack Daniel va arriver. Ça va arriver. Deux bouteilles de Gin Gordon. Deux bouteilles de Martini. Voilà, Martini. Voilà, deux White Horse. Moi je bois une whisky de Martini. Ah mon général, il faut mettre les lunettes. Deux bouteilles de Campari. Deux Ricard. Deux Suze. Ah. Ah, trouvez-moi, passez ça devant ici. Quoi? Ce qui arrive là. Parce que papa a trop demandé ça. Ça vient en bateau. Lui, c'est Jack Daniels. Deux. Hein? Non, là, il ne faut pas soulever, il faut montrer devant papa. Voilà. L'autre est où? Il ne faut pas tromper papa, on a dit deux. Il faut bien le prendre. Voilà. Là, je crois qu'on devait même applaudir un peu là. On avance. Voilà. Il y a deux Baïlèzes. Il y a deux. Ah, il y a aussi un grand nom là. Il y a deux Chivas. 12 ans. Voilà. Lui là, on ne peut pas vous dire le prix d'une seule. C'est pas grave. 50 francs. Voilà. Voilà. Il y a. Ah. On ne peut pas le sortir d'ici, mais il est déjà quelque part. Il y a un bœuf. C'est où? Il y a un carton de Cotis. Non, deux cartons de Cotis, autant pour moi. Voilà. Deux cartons de poulet. Deux cartons de dindon. Deux cartons de morue. Ok. Deux cartons de poisson frais. Et deux gros poissons. C'est où? Ils sont dans la glacière. Je bois un seulement. Ah. Le deuxième est où? L'autre est dans la glacière de en bas. En bas, il faut soulever. Au bon général, a raison. Ça, c'est un ordre, hein, le désobéit. Ah non, il faut soulever. Quoi? C'est le général qui a parlé. Vous cherchez les histoires, quoi? Je te dis. Soulever. Tu peux payer l'amende. Ah, moi, je ne veux plus les amendes. Ouais. J'ai fini avec le syndicat des barrières. Mais vraiment, en plus. On voit seulement un dit deuxième petit. Il est en bas là-bas. Oh. Ouvrez, on va voir. Voilà mon général. Moi-même je regarde. Là c'est bon. Et voilà. Quand c'est l'approbation du général, c'est vraiment ça va droit au cœur. Ouais. Ok. Un carton de d'huile, 12 litres. Deux cartons d'huile, 12 litres, voilà. Deux paquets de. Bouillon de poulet à cube magique. Voilà. Deux sacs d'oignons. Maroc. Voilà. Deux sacs de riz parfumé. Voilà. Deux cartons de petites tomates concentrées. C'est où? C'est là, mon général. Oui, je vois. Voilà. Enfin, deux sacs de sel. Deux sacs de sel. C'est où? Attention, général. Maintenant, pour boucler tout ça, là, comme le temps presse, il y en a qui font parfois les choses à moitié, ils donnent d'abord un doigt, ils reviennent. Mais moi, on m'a dit de tirer droit au but. Hein, la fameuse équipe-là, je veux prendre ma licence dans cette équipe-là. Alors, comme j'ai déjà pris ma licence dans cette équipe-là, je ne peux plus me permettre de ne pas aller droit au but. Mais ça, c'est comme on est chez nous ici, ce qui est arrivé du Texas, on a converti ça, là. Voilà. Voilà. Donc là, il y a donc 2 500 000. Donc ça fait 250 billets de 10 000. On va y aller. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 500 000. Merci. 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100. 100. 99, où tu poses 100. 100. Voilà. Donc, 1,5 million. Hein? 1 million 5. Il y a un billet qu'il a oublié de compter quand ils sont envoyés. Pourquoi attacher? Quarante-quatre, quarante-cinq, quarante-six, quarante-sept, quarante-huit,
7 ans. Il s'est trompé. Mais il s'est trompé quand il compte. Il s'est trompé. Ouais, ouais. Si on se trompe, petit compte. Il manque, ça manque. Ça t'est. Je vous ai dit de mettre les attentions. Alors, 90, 100. Merci. Amoui, trompeur ou pas trompeur, ça là, ça ne regarde pas mieux moi. Mmh, on roule. Voilà. Donc, il y a. L'élastique est là. Le comptable est parti. Attache ça, tu poses ça là. Attache. Viens poser ici. Donc, ah oui. Yeah. Voilà 2 500 000 francs qu'on ajoute sur toute la marchandise là pour dire j'ai déchargé tout ce qui est venu avec moi de Mawonga pour Zabilon, et c'est ce que nous attendions tous. En ce qui me concerne, j'ai, comment dirais-je, accosté ma pirogue, j'ai garé ma voiture, je vais maintenant descendre pour écouter ce que vous allez me dire. Diomneno! Diomneno! Ah, là, c'est bon, merci. Dit que c'est bon. Non, la réponse. Je crois que je vais me retirer avec les miens. On va venir te donner la réponse. Mais quand j'ai déjà avalé, je ne vomis jamais. Je ne vomis plus. Tout cela, ça reste déjà ici. Si on dit à René que René, oh, Amana, il n'y a rien. René part comme ça. Donc, on se retire un peu. Je t'ai déjà averti que tout ce qui est posé là, même l'argent là, c'est déjà ici. Parce que souvent, la fille, c'est elle qui décide au dernier moment. Des fois, c'est, la décision, c'est remettre l'argent à papa René. L'argent là, moi je prends déjà ça. Sa décision, c'est après. Après. Donc, que ça soit OK ou pas, l'argent aussi est déjà resté. Bon. Voir Evelyne. C'était la mort de voir. Hein? Donc, ça me rappelle des choses. Je suis venu voir. Maintenant, si tu veux me chercher, tu es venu épouser. Et tu m'as dit que c'était un jeune homme qu'il avait vu la première fois à Babylone. C'est ça, non? À Babylone. Hein? À Babylone. Le garçon là, qui a fait déplacer tout ce monde-là? Qui a fait se réunir tout ce monde-là? Avant, mais quand nous, dans la dernière décision, on veut quand même voir à quoi il ressemble. Parce que les histoires là, nous, on veut voir l'original. Quand on nous montre le garçon là qui est pour lequel on est ici, là, on veut le voir d'abord. Ah, là, tu as parfaitement raison. Parce que moi, Badinga, de tout que je parle là, c'est en tant que flèche envoyée par l'arbalète. Moi, je ne suis que la flèche. L'arbalète est là. Mais la flèche ne peut pas partir s'il n'y a pas le percuteur. Tu as raison. Il faut aller chercher le responsable de tout ça. Il s'est caché où il est là. Ah, on me dit qu'il est là. Qu'il est en train d'arriver. Seul. Il arrive avec qui? Ah, on va voir comment il arrive. Venez voir Jésus est bon. Venez voir Jésus est bon. Venez voir Jésus est bon. Ensemble.
la flèche, le percuteur, celui qui a permis à ce qu'on se retrouve tous ici, qui a soulevé tous ces fardeaux-là sur ses épaules. Le voici. Bertrand Badinga. C'est lui qui est venu prendre ta soeur. Maman Tsamélélé. Bon, l'amende là, c'est tout, c'est l'important des amendes. Je vais fixer ça après. C'est ça, non? Général là. Ah, Bertrand. Ouais. Ça va? Tu viens chez. Ça t'a arrêté plusieurs fois. Il a pas relancé, relancé. Papa Badinga, avec qui on parlait tout à l'heure, a dit que je la verrai souvent. 20 ans, vous êtes ensemble. Ça, depuis 20 ans, je ne la vois plus. Maintenant, j'ai l'autorisation. Est-ce que je vais encore la voir? Si ça a commencé comme ça là, je ne sais pas comment ça va finir. Bertrand, tu veux épouser Evelyne? Je suppose que tu connais son nom. Vincent. Vincent. Ou bien Evelyne. C'est ça, non? Du côté de sa mère, c'est me commence à Evelyne. Elle t'a dit un peu qui était. Quand on porte les noms, il faut être digne. Est-ce que tu as parlé un peu de Mekomeza, Evelyne? Les Mekomeza, Evelyne, qui sont là, sont où? Fifi? Fifi, allez. Si je compte les Mekomeza, Evelyne, qui est ici, là, tu arrives à presque 10. 20. 20. Mais oui, lui-même, c'est temps. Je sais compter. Comme c'est ce que je voulais, et j'ai détaché les syllabes, et comme je sais qu'elle n'est pas là, mais là où elle est, je ne sais pas. Mais comme il y a certainement quelqu'un qui sait où il est, où elle est, je veux donc supplier cette personne-là qui sait où elle est. Vraiment. Ah, c'est le général, je suis rassuré. Parce qu'un général qui débarque pour venir prendre quelqu'un, il n'y aura pas de résistance. Diomeneno! Non, n'enlevez pas d'abord. Ah, le pays n'est plus bien. Moi, en envoyant le général, j'étais convaincu que qui va s'approcher des gens. Quel pays! Ah, mais je crois qu'on va demander au général d'essuyer tous les coups qu'il a reçus là et d'avoir une escorte, mon général. Un général aussi ne se promène pas seul, mon général. Au rythme du
Nom là, mais ma chérie, ce nom là c'est toi. Ce nom là c'est toi. Boujo, ça veut dire petit boujo, ça veut dire bout de chou. Quand on donne des petits noms aux gens, de fond, c'est l'amour que tu exprimes quand tu donnes un autre petit nom à quelqu'un. Elle a son homonyme, mais tu mets à Eve, Eve, que moi j'ai surnommé. Le hasard a fait toute la bonne chose. Il fallait que c'est moi qui parle aujourd'hui là. Ah ben non. Tu l'appelles comment? Ah. Oui. Nzam. Boudjou. Hein? Boudjou. Boudjou. Bah, maintenant tu sais tout ça qui est, non? Boudjou. Bou de chou. C'est quelque chose qu'on aime, c'est un petit bout de chose comme ça qu'on aime. C'est ce qu'elle représente pour nous. Bon, il y en a qui disent ça comme ça, boujou, boujou, c'est ça. Quand elle y est, quand je dis, ah, ma chérie, ça veut tout ce monde a derrière ce petit nom-là. Voilà, Evelyne. Boujou. Ah, imagine, Evelyne. Boujou. Boujou. Voilà ce que la famille de Bertrand a emmené. Ce qu'ils ont jugé utile, ce qu'ils ont jugé d'équivalent à toi. Bon, de mon côté, j'ai dit, quelles que soient les conditions, je prends tout, je garde. Que tu partes avec ou tu restes avec moi, tout cela, ça reste déjà bien avec moi. Mais tu dois donner une indication. Tu regardes. Si tu estimes que, j'ai déjà dit à ma Badina que je ne vends pas, je n'ai pas vendu les enfants, je ne vends pas ma soeur non plus. Ça, c'est ton cœur qui s'est exprimé là. À bout de jour. Maintenant, si tu estimes que ce que Mouy Badira nous a emmené là,
ça te valorise. Tu pars. Et si je te verrai encore, ça fait plus de. Ça fait quand même je te vois comme ça. Ok, je sais encore calculer, Adria. Thank you.
Vilita, nous prions à nos invités de bien vouloir libérer la piste. Nous sommes presque à la fin. Vous êtes là. Dans ma paroisse, je suis le plus vieux. À l'université, je suis le plus vieux. Dans ma famille, je suis le plus vieux. Donc, je suis le patriarche. Et vous avez pris une bonne décision de me faire voir vos petits, vos enfants pour que je les bénisse. J'accepte votre démarche. Et je vous demande de garder ces petits-enfants avec soin. Comme je vous ai toujours donné l'exemple de la façon dont j'ai gardé mes 8 enfants. Et je le dis à qui veut l'entendre, même pour ceux qui ne sont pas contents, qu'ils ont tous eu le baccalauréat ici, là. La dernière étant arrivée dans cette maison à l'âge de 2 ans. Bertrand, la seule chose que je peux te demander, d'abord, c'est de devenir mon enfant, de ne pas faire de différence entre ta famille et la mienne, et surtout, de bien élever ses enfants pour qu'ils puissent parvenir, parce que la vie est maintenant concurrentielle, très difficile, surtout de surmonter les difficultés que vous aurez encore subies, puisque vous en avez subi déjà beaucoup de difficultés dans votre vie. Allez en paix, je vous en supplie. Merci. Qui a trouvé la femme, qui trouve la femme, trouve le bonheur. J'ai fermé les yeux, j'ai regardé, je n'ai pas rajouté un mot, ni enlevé un mot. Tellement qui trouve la femme, trouve le bonheur. Exister, c'est ce qu'on vous dit, la foi. Regarde son corps, mais je n'ai même pas reconnu la masseur de Toubelle. Je ne mens pas, ma soeur est très belle. Et là, vraiment, je suis jaloux. Tu as regardé son cœur, son corps, non? Est-ce qu'il y a des traces de ça? Moi, je n'ai pas reconnu, là, je dis la vérité. Donc, de la même façon, tout ce que je dis sur toi, c'est la même chose sur lui aussi. Bertrand, si tu as un problème avec ma soeur, tu me contactes. Je fais mes choses. Les gens ne sont pas à son compte, c'est moi qui ai fait. Aujourd'hui, tu peux m'aller poser la question aujourd'hui sur quelque chose que tu vis en ce moment. Je pas de gens que j'ai fait telle ou telle chose. Mais cette chose-là profite à tout le monde qui est ici. Là. Tu peux deviner de quoi il s'agit. Donc, tu me gardes bien la soeur. Vous restez toujours imprégné, vous restez toujours imbibé, vous restez toujours profondément ancré dans la parole du Seigneur comme vous l'êtes dans son monde. C'est le seul refuge. Tu peux faire tous les livres de toi du monde, tu vas les lire, quand tu vas dans la Bible, c'est à l'intérieur, tout est à l'intérieur. Donc vraiment, merci pour cette honneur que tu nous as fait. Papa l'a dit, quittez les États-Unis. Quitter les chaises, aller quelque part avec toute la famille, c'est pas évident. Et nous aussi, nous avons essayé de vous mettre à l'aise ici, là. Moi, j'ai vu mes enfants, là, comment ils ont apprécié les bédous. Il faut leur faire le stock de bédous. Quand moi, je vais en Europe, quand je reviens, j'ai ramené des steaks d'Europe, les McDo, tout ça, là, pour manger encore un peu. Il faut leur faire le stock de bédous, ils vont aller manger ça un peu là-bas au steak. Ils ont apprécié cela. Et hier, je leur en ai gavé, jusqu'à ce qu'ils soient fatigués. C'est sa maman-là qui va la recevoir. Et chaque fois qu'il y aura un problème, c'est à elle qu'il faudra s'adresser. Et cette maman-là, ce n'est pas un choix hasardeux. C'est parce que tout simplement, nous voulons qu'Evelyne soit l'image de sa maman chez les Badinga et de sa maman chez les Obiang. Parce que chez les Obiang, il y a plus de 40 ans de mariage. Voilà, le mariage continue à être conclu.
traduction. Je disais tout à l'heure que Pévedine a une mère chez les Badiga. Et cette mère a dit dans sa chanson, ce n'est pas le fétiche qui t'a permis d'avoir Bertrand. Bertrand, ce n'est pas le fétiche qui t'a permis d'avoir Evelyne. Prends Evelyne comme Dieu te l'a donné. Bertrand ne te fatigue pas de t'occuper d'Evelyne. Evelyne ne te fatigue pas de t'occuper de Bertrand. Oui, à compte, c'est-à-dire que ne sois pas dépassé. Mais par contre, surpasse toujours pour pouvoir la conserver. Diomnel! Se mélanger, que ce peu que nous voulons vous donner rentre dans ce contexte-là pour tout sceller. Mais c'est du plomb. C'est du plomb. Il faut donc tout sceller, tout souder. Papa, je dépose ces deux bouteilles de Cointreau entre vos pieds par respect. C'est le respect que nous vous donnons par rapport à l'accueil que vous nous avez accordé. Papa, il y a dans cette enveloppe 300 000 francs CEPA que je pose sur ces bouteilles-là, papa, pour sceller l'union entre l'Inkodje et les Bamboukadi, les gens de Maonga et les gens de Azabila. Je voudrais vous suivre, monsieur. Donc, je voulais juste pouvoir immortaliser ce petit temps en nous offrant juste ce petit cadeau. Donc ce petit cadeau est une montre pour immortaliser le temps. Et comme je veux aussi immortaliser sa beauté comme son grand frère a si bien dit, j'ai une parure, quoi. Une pierre de diamant. Donc, j'offre une pierre de saphir. Des boucles d'oreilles aussi de saphir bleu. Je veux organiser cette union en double famille. J'ouvre donc la bague. Ce diamant à